Le meilleur buteur des championnats qui s'échauffe sous les yeux d'un public qui attend sans doute du spectacle aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Stamford Bridge, Mr. Peter. Yes, hello Hervé, hello everybody and welcome in London. And here is the Chelsea line. Cette rencontre va nous permettre de suivre Chelsea face à Bournemouth. On retrouve deux formations qui ont plutôt bien négocié cette première partie de championnat. D'ailleurs, qui commence effectivement à se dessiner. Ben, ce match va nous permettre de voir les débuts d'un défenseur central dans sa nouvelle équipe. La dernière recrue de l'entraîneur, il a choisi ce match pour le faire débuter. Jorginho. Number 25, Michy Batshuayi. And number 10, Neymar. Vous découvrez les joueurs qui vont démarrer dans cette équipe de Chelsea. Le style de jeu de cette équipe, c'est quand même relativement peu apprécié. Ça manque d'ambition, ça manque de technique. Ouais, si t'aimes pas les équipes qui jouent chez l'adversaire, qui pressent le haut, qui tentent des trucs en attaque, au risque de te découvrir parfois, alors cette équipe a des chances de te plaire. Ouais, moi je suis pas très client. Stamford Bridge, pour le coup, c'est un vrai stade de foot, hein, niveau structure, même si parfois il y a d'autres sports qui s'y pratiquent. Ouais, on y joue au cricket, au rugby, au baseball, au football américain, et parfois même il y a des courses de lévriers qui y sont organisées. Le coup d'envoi donné à l'instant par les Blues. L'a dégagé pour écarter le danger. Ouais, la touche est pour Chelsea, dit l'arbitre. German Hype. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. En profondeur, oui, bien vu. Ouais, la passe en profondeur. Mais la parade pour écarter le danger. Et tout le monde la voyait au fond, mais finalement, non. Allez, il va falloir s'appliquer sur ce corner. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. On a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. La passe de Neymar interceptée. Ouais, un bon ballon d'attaque. Love to check. Neymar. Ouais, l'aile qui est totalement libre pour Neymar. Oh, la faute, il va y avoir un bon coup franc. Allez, un coup franc pour prendre l'avantage dans cette rencontre, pourquoi pas. Sorti venir, Pierre. Ah, c'était l'occasion de prendre les commandes dans ce match. Il a su la saisir, bravo. Ah, quel coup franc, nos amis, quel coup franc. Ah ouais, ça, on n'est pas loin du geste parfait, là. Le corps est parfaitement équilibré au moment de la frappe. Allez, c'est quoi, on va se taire, ça se passe de commentaires. Chelsea a pris l'avantage. Non, elle a été interceptée cette passe. Non, il n'y aura pas de carton. L'arbitre estime qu'on est certainement un peu trop tôt dans ce match pour commencer à sévir.
Allez, le mur qui s'avance un petit peu, comme souvent. Et s'en tire simplement avec un avertissement verbal. C'est bien de prendre sa chance, mais bon, le but, c'est quand même de marquer. Ouais, je pense qu'il y avait quand même d'autres options, hein, au lieu de tenter l'exploit. Ce ballon qui passe finalement à côté du cadre. Ah, le tireur y a cru jusqu'au bout et ça passe vraiment pas loin. Love to check. Sergei Milinkovic-Savic. Et bien l'intervention, changement de possession. Le centre à destination de ses partenaires. Ouais, sans prendre de risque, il a dégagé ce ballon très loin. Sancho. Love to check. Ils attendent une ouverture dans la défense. Ah non, finalement, ce ballon est rendu à l'adversaire. Cook. Ah non, le ballon est perdu. Michy Batshuayi. Et il envoie le ballon très loin. Ah non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Ah, et bien taclé, le ballon qui n'est pour personne. Ah, c'est pas fini, ils peuvent peut-être partir en contre. Jordan Hype. Et un centre tendu. Ce ballon qui file jusqu'au gardien. Ouais, qui va pouvoir relancer son équipe. Anthony Rudiger. Sancho. Zuma, Emerson. Lewis Cook. El Charaoui. On s'approche du but. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Et le but. Le but de l'égalisation pour cette équipe. Elle a su réagir. C'était pas évident de courir après le score comme ça, mais... elle a su revenir à la hauteur de l'adversaire. On va revoir le but au ralenti avec ses très belles images et une belle combinaison. Le gardien pensait avoir fait le plus dur, mais le joueur a bien suivi l'action. C'est un but plein d'opportunisme. Allez, tout est à refaire, un but partout. Goal for Bournemouth, number 16, Lewis Cook. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire. Milinkovic-Savic avec un tir. Non, c'est contré. Sergei Milinkovic-Savic. Michy Batshuayi. La frappe. Oh, la transversale. Ouais, pas belle cette passe, hein. C'est cadeau. Michy Batshuayi. Ballon capté par le gardien. Ça se joue à pas grand-chose, là, mais s'ils se créent d'autres occasions dans ce genre, ils finiront par marquer. Ouais, c'était pas loin, hein, mais le ballon est dégagé, finalement. Sancho. Il enchaîne par un centre tendu. Ouais, cette fois, il ne trompera pas le gardien. C'est un bon arrêt à mettre à son actif. Centre au premier poteau. Ouais, le gardien bien présent sur le centre. Michy Batshuayi. Il s'avance vers la surface. Attention, si ça rentre. Oh, ça frôle le cadre. Ouais, il n'a pas voulu la jouer en force, il aurait peut-être dû. Sancho. Kurtzuma. Anthony Rudiger. Jorginho. Sergei Milinkovic-Savic.
Ça n'attaque pas beaucoup le porteur du ballon en ce moment, ça reste très bas. Mais Batshuayi. Ouais, c'est bien taclé, il faut récupérer ce ballon maintenant. Loftus-Cheek, Sancho, Batshuayi. Ah ouais, il est passé. Batshuayi. Eh, ça y est, le but. L'équipe qui prend l'avantage dans ce match, c'est vraiment mérité au vu de ce qu'on voit depuis le début de la rencontre. Ouais, c'est la plus entreprenante des deux équipes. Celle qui cherche, celle qui tente, qui mène au score, et c'est normal. En tout cas, ce but reflète la nette domination de cette équipe en termes d'occasion. Quand tu es à ce point supérieur techniquement, pas de secret. Très heureux que son équipe ait marqué un but, l'entraîneur visiblement, et de l'avoir prendre les commandes de ce match aussi. Chelsea fait la course en tête. Alors ça, c'est n'importe quoi cette passe, complètement à l'adversaire direct. Sancho. Jesús Vallejo. La touche, la remise en jeu pour les Blues. Ah, la bonne qualité de ses passes. Ah, il a pris ça. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option, hein, parce que le jeu, c'était pas là. Ah, c'est bien tenté, mais sur le ralenti, on voit bien que la frappe était trop enlevée. Non, c'est trop enlevé, ça passe au-dessus. Avec Neymar balle au pied et donc danger. Bien centré de la part de Neymar. Oh là là, pas loin du tout ça. Ouais, c'était bien exécuté cette reprise sur le plan technique, mais bon, parfois il faut un peu de réussite, je t'apprends rien. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Chelsea, qui est l'un des nombreux clubs londoniens. Vous saviez que c'était à Londres comme empire. Hein. Ah oui, mais un paquet de fois même. Hein. Michy Batshuayi. Oh, c'est l'interception. Oh, attention, il met tout le monde dans le vent. Il prend sa chance. Ouais, la frappe. Et le corner. Pourquoi pas l'égalisation. L'arbitre a décompté 4 minutes de temps additionnel. Le corner en direction du point de pénalty. Michy Batshuayi. Ah, ça va pas être facile de s'en sortir. Et ce ballon qui est perdu. Ouais, faute et coup franc là pour Chelsea. La rumeur n'est plus une rumeur, c'est désormais une information officielle. N'Golo Kanté a signé à Manchester United en provenance de Chelsea. Ah, on ne sait pas vraiment le montant exact de la transaction, mais je peux vous dire que c'est un sacré paquet de pognon. Hein. Jorginho. Michy Batshuayi. Neymar. Jorginho. Sergei Milinkovic-Savic. Voilà, léger avantage, mais avantage quand même à la pause, avec ce score de 2 buts à 1 à la mi-temps. Pierre, qu'est-ce qu'on peut dire sur la première période livrée par Michy Batshuayi?
Il était assez bon cette première mi-temps. Il a permis à son équipe de prendre l'avantage. Dommage pour lui qu'il ait trouvé le poteau sur une autre occasion. Ça peut être dangereux. En profondeur, oui, bien vu. Ouais, la passe en profondeur. Mais la parade pour écarter le danger. Et tout le monde la voyait au fond, mais finalement, non. Oh oui, le met. Oh oui, il le met. Ah, on l'avait senti venir, Pierre. Ah, c'était l'occasion de prendre les commandes dans ce match. Il a su la saisir, bravo. Allez, le mur qui s'avance un petit peu, comme souvent. Et sentir simplement avec un avertissement verbal. C'est bien de prendre sa chance, mais bon, le but, c'est quand même de marquer. Ouais, je pense qu'il y avait quand même d'autres options, hein, au lieu de tenter l'exploit. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Et le gars, oh, le but. Le but de l'égalisation pour cette équipe. Elle a su réagir. C'était pas évident de courir après le score comme ça, mais elle a su. Il s'avance vers la surface. Attention, si ça rentre, oh, ça frôle le cadre. Il n'a pas voulu la jouer en force, il aurait peut-être dû. Michy Batshuayi. Ah oui, il est passé. Michy Batshuayi. Eh, ça y est, le but. L'équipe qui prend l'avantage dans ce match, et c'est vraiment mérité, au vu de ce qu'on voit depuis le début de la rencontre. Ouais, c'est là. Ah, la bonne qualité de ses passes. Ah, il a pris sa chance. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option, hein, parce que le jeu, c'était pas là. Ouais, la frappe. Et le corner. Pourquoi pas l'égalisation. L'arbitre vient de donner le coup d'envoi de cette seconde période. On reste sur une excellente première période, espérons que ça continue. Jorginho. Oh, beaucoup d'espace pour Chelsea sur l'aile. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Ah, le ballon qui circule, mais la défense qui ne peut pas faire grand-chose. Oh, oui, attention. Begovic, vigilant sur ce ballon. Et corner, la possibilité pour cette équipe d'accentuer son avance. Corner adressé au niveau du point de pénalty. Et il envoie le ballon très loin. Ça n'attaque pas beaucoup le porteur du ballon en ce moment. Ça reste très bas. Antonio Rudiger. Anderson. Gray. Allez, il peut relancer son équipe maintenant. Ah, c'est un boulevard là pour Bournemouth. Sur la frappe. Oh, c'est contré ce tir. Oh,
Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Gray. Anderson. Voilà, passe complètement manquée. C'est cadeau. Et le Madsen O'Doy. Ah, il est venu lui voler ce ballon. Ah, il est passé, il file vers le but. Et Chelsea va bénéficier du corner. Les supporters qui ont fait le déplacement et qui sentent que la situation est un petit peu en train d'échapper à leur équipe. Le score n'est pas favorable. Le match est de plus en plus haché. Ouais, apparemment, les locaux ont décidé d'en faire une stratégie jusqu'à la fin du match. Je ne sais pas si t'entends Hervé, mais c'est pas du goût de tout le monde. Anthony Rudiger. Kurt Zuma. Alors qu'un changement a été demandé, a priori. Ce sera pour le prochain arrêt de jeu. Marco Van Ginkel. Ah, ça ne passe pas. Ouais, la touche est pour Chelsea, l'arbitre. Ah, du changement du côté de Bournemouth. Oui, on espère bien sûr que le remplaçant entre très vite dans le vif du sujet. Et le Madsen O'Doy. Sergei Milinkovic-Savic. Le défenseur qui contre ce ballon. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre, plus qu'une demi-heure à jouer. Dan Gosling. Voilà, ça c'est une récupération sans effort pour l'adversaire. Jorginho. Marco Van Ginkel. Emerson. Jorginho. Marco Van Ginkel. Il la joue un petit peu comme au hand, hein. Fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Et la faute, oui, pas correcte, ce tacle, et l'arbitre, à mon avis, va le sanctionner. Bon, le carton jaune. Va falloir qu'il se tienne à carreau maintenant. Le ralenti de ce tacle glissé et l'arbitre évidemment qui a sanctionné. Ce ralenti, on se rend mieux compte à quel point il est en retard sur son intervention. Allez, à cette distance, ça se tente. Oh là, il a complètement manqué ce coup franc, n'importe quoi. Il n'y a pas beaucoup de conviction dans cette frappe. Hein. Péchi Batshuayi. Marco Van Ginkel. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Et la voilà la frappe. Le ballon sort en corner. Le corner pour cette équipe qui pousse et qui sent l'adversaire en difficulté. Il a cherché le point de pénalty sur ce corner. Le gardien qui repousse. Et c'est une touche pour Chelsea. Gray. Sergei Milinkovic-Savic. Jorginho. Le gardien qui est sur ce ballon sans problème. Vingt minutes à jouer dans le temps réglementaire. Voilà, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il a donné ce ballon directement à l'adversaire.
Daniel Hudson-Odoi. Dan Gosling, El-Sharawi, Smith. Oui, la centrée est là. Ouais, le centre qui ne donnera pas grand-chose. Ouais, faute et coup franc là pour Chelsea. Et le Hudson-Odoi. La passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. Oh, Chelsea va profiter de ce désert sur les côtés. Un danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Marco Van Ginkel, le tir. Ça a été touché hein, par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. Et le tireur qui a visé Marco Van Ginkel. Oh, il y est ! Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire, mais on a déjà vu des remontées plus spectaculaires. C'est pas terminé, même si ce sera dur. Je vous laisse apprécier une nouvelle fois ce but. Il n'y a rien à acheter sur ce but. Le corner, le démarquage, le timing. Le but sous un autre angle. Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Goal for Chelsea, number 26, Marco Van Ginkel. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense. Wilson. Oh, c'est dévié. Heureusement, sinon ça faisait but. Ouais, j'en ai bien l'impression. Comme quoi, ça joue pas grand-chose parfois. Hein. On va avoir deux nouveaux éléments frais sur le terrain. Le corner qui va arriver en plein... Ouais, le but, la réduction du score pour cette équipe alors qu'on jouait les dernières minutes du match. Alors, est-ce qu'on va assister à un petit miracle? Bah, miracle, j'en sais rien, mais j'en connais quelques-uns qui ont intérêt à être sérieux en défense parce que ceux qui viennent de marquer viennent de reprendre espoir grâce à ce but. Je vous rappelle le score, hein, 3 buts à 2 maintenant. Ici, Batshuayi. Les joueurs de Chelsea qui s'approchent. Attention, il ne faut pas les laisser jouer. Et corner, il va y avoir danger dans la surface peut-être. Le corner en direction. Antonio Rudiger. Ah, c'est bien joué ce corner, mais finalement ça passe à côté. Ah, mais il ne faut pas se décourager. Jorginho. Gray. El-Sharawi. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Marco Van Ginkel. Ah, cette fin de match qui s'emballe. Il reste plus beaucoup de temps et c'est un ballon très important. Peut-être le ballon le plus important de ce match. Avec un tir. Ouais, pas de souci. Le gardien qui capte bien ce ballon. Allez, peut-être une possibilité de contre-attaque. Voyons voir. La défense qui est bien revenue et qui met fin à ce contre. Et le gardien à la réception de ce centre. Dan Gosling. Ce ballon qui est perdu, peut-être un contre. Ouais, ça peut bien partir en contre, attention. C'est un centre pour Batshuayi. Ouais, c'était dangereux. Mais la défense s'est dégagée au grand soulagement du gardien. 4 minutes, ce sera le temps additionnel. Ah, le stade qui gronde. Ils sont impatients que l'arbitre donne le coup de sifflet final maintenant. Ouais, le ballon qui continue après ce tacle, qui va le prendre. Kurt Zouma.
Jesús Vallejo. Allez, il tente la petite passe aérienne. Alors le ballon est perdu. Et voilà le coup de sifflet final qui vient d'être donné sur cette victoire de Chelsea. Et ce match qui se termine pour eux sur ce très très bon résultat. Pierre, en deux mots, le match de Michy Batshuayi aujourd'hui. Le constat est assez simple pour lui, un but, quasiment un doublé. Il s'en est fallu de quelques centimètres, la faute au poteau. Peu importe, son équipe a fait l'essentiel en s'imposant aujourd'hui. Venir Pierre. C'était l'occasion de prendre les commandes dans ce match, il a su la saisir, bravo. Allez, pourquoi pas l'égalisation. Et le but de l'égalisation pour cette équipe. Elle a su réagir, c'était pas évident de courir après le score comme ça, mais elle a su. Michy Batshuayi. Ah oui, il est passé. Michy Batshuayi. Et ça y est, le but. L'équipe qui prend l'avantage dans ce match. Et c'est vraiment mérité au vu de ce qu'on voit depuis le début de la rencontre. Ouais, c'est là. Il la joue un petit peu comme au hand. On fait tourner en attendant l'ouverture et de prendre la frappe. Le tireur qui a visé la Marco van Ginkel. Oh, il y est. Oh, le but qui permet à l'équipe de se détacher dans cette rencontre. Allez, c'est dur à digérer pour l'adversaire. Un corner qui va arriver en plein milieu. Ouais, le but, la réduction du score pour cette équipe alors qu'on jouait les dernières minutes du match. Alors, est-ce qu'on va assister à un petit miracle? Miracle, j'en sais rien.